Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo présentation de mon swap Alice au pays des merveilles que j'ai fait sur le groupe Scrapez-vous avec Marie-Pierre Le Troadec. Donc on va faire une remise en main propre parce que je vais retrouver Marie-Pierre, Nanouti et Karine Création chez elle. Donc on profite de l'occasion. Pour ce swap, on devait réaliser l'album Zigzag d'après le tuto que j'ai fait. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Sur le thème soit d'Alice au Pays des Merveilles, soit un conte de notre choix. Moi, j'ai décidé de lui rajouter quelques petites choses. Donc, en même temps, il y avait un swap mini box. Donc, je vais lui offrir la mini box que j'avais fait sur le thème également, dans laquelle je mettrai des cartes à jouer. Je lui ai fait une embellishment box, donc j'ai mis du lin, du chemin de table dentelle, du ruban, j'ai pris une carte de la collection ainsi que les petites cartes à jouer. J'ai mis un contour de dentelle, j'ai fait des moulages avec les moules Stamperia Tea Time. Pour le traitement des moulages, je vous ferai un tuto. J'y ai mis des fleurs que vous pouvez retrouver chez Scrap Merveilleux et qui sont les mêmes que sur le mini. Ensuite, à l'intérieur, j'ai remis du papier de la collection avec une pochette en tulle dans laquelle j'ai glissé ma memory card, puisque maintenant pour chaque échange dans le groupe on se fait également une memory card. Je lui ai mis des embellissements en plâtre, différentes petites surprises, des embellissements métalliques, des petits boutons, des petits trombones et épingles à nourrice, des champignons pour rappeler un peu le thème Alice, une clé métallique. Je lui ai fait un embellissement sur pique, donc avec un moulage de la collection Tea Time. J'y ai mis des mini fleurs et du ruban. Donc, je ferai un tuto pour ces embellissements-là. Et je lui ai mis une carte avec différents rubans. Je lui ai remis un pic pour faire les embellissements. Ici, je lui ai fait des moulages de petits beurres. Et à l'intérieur de la bouteille, je lui ai mis de l'essence. Et donc, je lui ai mis de l'huile essentielle fleur de coton de Durance. Quoi d'autre? Dans celui-là, je lui ai mis des petits boutons. Donc voilà pour ce qui est de la boîte à embellissement. Et enfin, je lui ai fait une bougie. Donc, je vais vous montrer le mini-album. Donc, il est fait avec la collection Stamperia Alice, les fleurs de chez Stamperia. J'ai mis de la broderie anglaise, du ruban velours bleu que j'ai vieilli, du sisal, des branchages. Sur le 4, ça c'est un 4 qu'il y avait un moment chez Action, que j'ai retraité à la patine cuivre vieilli. J'ai mis par endroit du masking tape, j'ai fait des tamponnages, j'ai mis également de la patine sur le papier après l'avoir ancré. Sur la tranche, j'ai mis des embellissements métalliques avec une chaînette pour faire un petit peu comme une montre à gousset, avec un embellissement montre qui se raccroche sur le devant. Ici, pareil pour la fermeture, j'ai rajouté une clé.
Donc, il s'ouvre comme ceci. Sur la page de gauche, j'ai fait un petit carnet juste relié par un mini trombone et une clé pour y mettre des photos. J'ai mis un embellissement en plâtre en forme de serrure, de la dentelle, une fleur. Sur le côté du zigzag, j'ai mis une poche dans les papiers de la collection avec des cartes. Un petit trombone avec un petit lapin. Ici, j'ai fait un pop-up avec le chat et un tag Alice. J'ai mis du glossy. J'ai mis de la dentelle. Ici, j'ai fait une carte twist. Là, j'ai fait un pop-up avec une envolée de cartes. Ici, deux tags, de la reine de cœur et du roi. Ici, deux tags en haut et en bas avec l'as de cœur et l'as de pique. Sur la dernière page, juste une poche avec une carte. De l'autre côté, et sur chaque page, ça sort des plis comme ceci, avec la scène du non-anniversaire. Donc on peut remettre des photos hein, à chaque fois. Ça se ferme pareillement. Ici, j'ai mis un embellissement petite tasse avec un ruban velours, une reprise du papier et de la dentelle. Sur les dernières pages, ici, une cascade. Dessous, un petit carnet tag. Ici, sous un passant, un mini accordéon avec des petits tags. Donc voilà pour ce qu'il y a du mini zigzag Alice. Donc j'espère que ça lui plaira. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu de le faire. Ça faisait un moment que je voulais faire quelque chose sur ce thème. Je vous dis à tous, à bientôt !